devait, dans la forge naine, faire fondre le mithril et avoir l'arme ultime pour tuer le grand méchant vilain Pabot, dont j'ai oublié le nom. Je sais plus. J'allais dire Baal, mais pas du tout. Enfin, l'idée est là, mais. Agba, voilà. Arcane Studio. Alors, c'est pas la manette Arx Fatalis, donc je vais pouvoir la poser là. Oui, non, l'intro, on la connaît. Là, je la zappe, on l'a vu la semaine dernière. L'abus d'intro est dangereux pour la santé. Reprise! Reprise, motherfucker! Ah! Doucement. Je place ma main et j'ai fait faire tomber mon périphérique de jeu. C'est honteux. Alors, où en étions-nous? Poil au cou. Alors, Nayanet, tu me dis, et pour ce qui serait d'une session, les commandes sont ultra galères à configurer, il faut sélectionner des touches dans une liste de clavier anglais qui ne correspond pas une par une au français. Ah ouais, non, c'est la rage absolue, ouais. Est-ce qu'il faut pas mettre les moules? À la pêche aux moules, 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 je n'irai plus, maman. Des gens de la ville, ville, ville. Attends. Je sais même plus comment j'accède à mon inventaire. Sérieux, hein? Je sais même plus. Pas ça qu'il faut que je fasse. Génial. Ouch, j'ai marché sur le. Voilà. Oula, je l'ai mal placé là le moule, ça va mal se finir. Non, je peux pas le mettre proprement sur l'établi de travail là. Voilà. Quelque chose ne va pas, oui, mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que je transforme ailleurs l'énorme pépite. Comment je procède? Merde. Là? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça peut-être. Non? Allez, on va marquer un panier. But! Oh. C'est idiot. Quelque chose. Oh, joli! Oui, mais qu'est-ce qui va pas? C'est ça que je comprends pas, c'est le fonctionnement de la fonderie. Comment je fais pour la raffiner, moi, ma pépite? Oui, non, mais outils de résistance machin, je m'en moque un peu, mais. Mais là, je peux rien forger, j'ai pas. Ne me dis pas qu'il faille mettre la pépite là. Si le jeu l'accepte. Ah, stylé. Et but. Oui, mais là il se passe rien. J'ai pas de levier. Je peux rien faire. Ah bah je commence fort moi.
attends. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Là, il y a une lame, il y a une barre en métal. Comment fonctionne une masse de forgeron? C'est fermé, c'est fermé. Ouais, c'est bizarre cette histoire de coffre fermé. Je suis obligé de les ouvrir en forçant la serrure, en projetant avec un passe-partout ou... Je me repromène dans la mine pour essayer de comprendre, mais... Enfin, s'il y a quelque chose à comprendre. Je ne suis plus sûr de grand-chose. Attends, je viens de là. En face, j'ai quoi? J'allume une torche. Ouais, je vais allumer une torche. Ou alors, oui, bah non, il n'y en a pas là, je peux pas. Non, merde, j'ai fait appel à une potion. Ah! Erreur de ma part. Ou alors il va falloir que je relise consciencieusement le bouquin Comment forger l'arme ultime, mais abîme, il fallait descendre. Ah bah c'est là que j'avais extrait le mithril, la matière première. C'était la zone d'extraction, il y avait ça. Ça je suis pas sûr de l'avoir bien employé, vous voyez. Avec le gros rocher où est-ce que j'aurais merdé la manip? Attendez voir que je recharge ma reprise et je vais refaire le même chemin si vous voulez, mais avec le non, puis j'ai chargement rapide, hein, non quoique ouais, le chargement rapide est peut-être pas approprié. Le casse-tête du jeu. Ouais, il faut peut-être que j'arrive finalement ici dans la forge. L'autre pièce aurait été la fonderie, là où j'ai écrasé, enfin même où j'ai tué les deux monstres. Je trouve ça bizarre, mais... Parce que sur place, il y avait une presse. Se mentir. Voilà. Ah. Tant pis pour les dégâts dessus. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Voilà. Hop. À ce moment-là, le minerai il est parti ailleurs. Thank you.
Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Que ça l'a chargé instantanément dans la... Ah, de ta vite. Ah bah merde. Ah oui non, c'est là qu'il faut que je le mette. Si tu l'avais fait la dernière fois, tu l'avais retrouvé soit dans la fonderie, soit dans votre pièce. Désolé, j'ai plus le nom. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est l'étape d'après, en fait. Ici, ce sera une fois que j'aurai raffiné mon mithril. La question est comment je procède pour raffiner le mithril. Ouais, ça c'est les salles entrepôts à droite et à gauche. Enfin, les, tout ce qui est réserve. Là c'est un cul-de-sac génère idiot. Ouais, c'était là. Oui, il a été téléporté là en fait. Arrivée du minerai. Ouais. Donc je le mette quelque part par là, mais c'est pas là, c'est pas dans la lave, c'est débile. De toute façon, ça s'est cassé, donc je vais pas pouvoir. Ça m'a aidé à tuer la bête. Ah oui, donc le levier était à l'opposé. Oui, non, c'est cassé. Je peux plus interagir. C'est fini, la machine, elle a un pelle. J'ai mal vu, il m'a proposé d'interagir avec... Emplacement d'une source d'énergie. Ah! J'avais même pas... Oh mon dieu! Oh! Ah! Alors je vais faire une sauvegarde bien lourde, bien grasse, dans le sens que... Oui voilà. Parce que je sais plus quelle est la touche de sauvegarde rapide. On va dire quoi? Raffinage? Allez. Raffinage. Raffinage du mithril. J'ai un souci avec mes yeux. Déjà, mes carreaux de lunettes sont dégueux. J'aurais dû les nettoyer entre midi et deux. Mais je vais même le faire maintenant, pardon. Je vous mets les crédits 2 minutes du jeu. Parce que honteusement, je vous dis, c'est bizarre, j'ai la vue qui est trouble. Mais en fait, mes carreaux de lunettes sont archi dégueux. Correct pour un des carreaux de verre, carreaux de lunettes. Faire le deuxième.
alors? Je vois que j'ai encore une merdouille. Oui, non, décidément. Les carreaux de lunettes qui veulent rester Cradock. D'ailleurs, j'avais pas des... Qu'est-ce que j'ai refait de ma boîte de nettoyant? Est-ce que j'avais ça? Non, c'est pas ça. Merdoum. Non, je suis pas satisfait de mon... Pardon. Je vais aller chercher mes vrais nettoyants de lunettes, parce que c'est la galère. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ça n'est pas... Ah si, c'en est un. Le coup de bol d'en avoir trouvé un qui traînait sur le meuble. J'ai dû le faire par anticipation. J'ai dû me dire, je cherchais un moment en urgence mon truc de nettoyant en lunettes. Ah, ça me permet de faire une petite pause pour ma part. C'est pas désagréable. Voilà, oui, non, c'est vrai que c'est le produit approprié. Ah oui, alors. Je vois. Si vous voulez interagir avec moi et que je vous lise dans le chat, j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais. Avant que je me laisse complètement absorbé par la... par le lieu. Tiens, je repense à Poupon brièvement. J'ai échangé un peu avec lui sur son direct hier, la sourage hier soir. Et je lui posais la question s'il allait mieux, dans le sens récupérer son énergie et plus avoir de courbatures suite à ses gros travaux chez lui. Il avait du gros œuvre dans son logis. Et il m'a dit ouais, qu'il avait récupéré son énergie, qu'il était bien quoi. Puis d'ailleurs, ça se voyait hier. Il jouait bien à Rage. Oui, allez, retour au jeu, excusez-moi. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Là, oui, il était temps que je nettoie vraiment bien mes carreaux de lunettes. Que j'aurais dû faire honteusement ce matin et j'ai zappé. Ah! Alors, je crois qu'il faille concasser le mithril avant raffinage. Attention! Merci. Voilà. Je peux pas les ranger dans mon inventaire. Ah si. Voilà. C'était l'étape intermédiaire qu'il fallait observer. Ça me semble logique. Alors retournons dans l'autre pièce. Qui était pas la bonne, qui était pas celle-là. D'ailleurs, je sais même plus à quoi sert cette pièce. Ah oui, j'avais trouvé un truc dans le tiroir et c'est tout. C'est bizarre les grosses plaques. Non, c'est des plaques posées au mur, hein. C'est pas des portes dissimulées. En fait, c'est la réserve de gros hommes. Ouch! Message de Torota 77. Pour une fois, je ne dis pas de conneries et dans la vocale puisqu'il n'y a pas de vocale. Sinon, ça va vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien faire et de taquiner les sagas histoires et de polluer les chats. Voilà, voilà. C'est intéressant, hein? Il tient à répondre avec le même accent, c'est là que c'est un scandale. Oh mon Dieu, ces voix.
Ça, c'est encore une nouvelle voix de synthèse que je connaissais pas. C'est rigolo. Elle est là. Ah, je crains me fourvoyer dans le mauvais passage. Ah bah tiens, c'est pas la dite cavité où les nains s'étaient plaints d'avoir déterré des monstres. Ben là, ça n'a pas de sens parce que... Enfin bref. Ah oui, c'était par là-bas. Enfin, je crois. Sinon, y'a ne sais plus, y'a, je suis perdu. La 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 la, quoi le but. Mais non, c'est là où il y avait le mitril. Mais non, ça peut pas être là. Ça peut pas être là. Aïe aïe aïe. En fait, je viens de comprendre que la première fois, je m'étais coltiné pour rien sur moi l'énorme rocher de mitril. Enfin, c'est logique, on peut se dire que les nains n'ont pas la robustesse, le physique pour pouvoir porter les gros échantillons, enfin, c'est pas le bon terme, les bons gros minerais de mitril. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place le téléporteur là, qu'on a vu à Onde à 4 Bitonio. Ah, le G est en train de me rendre fou! Et puis j'ai perdu la carte. Voilà la carte, merci. En haut à droite. Nerdoum. C'est pas par là le. Ah non, c'était là. Espoir, on va y arriver. Donc, est-ce qu'il faut que je mette le minerai là ou pas? Oui ou non? Quelque chose ne va pas. Ah. Ou alors, le minerai, il faut le mettre là. Enfin, si j'arrive à le lancer. Ouais, activité panier de basket. Bon, à chaque fois, il me dit quelque chose ne va pas. Donc, j'ai toujours pas compris le fonctionnement de la mine naine. Enfin, de la forge naine. Se referme quand la presse descend. C'est quoi l'intérêt de la manœuvre? Je mets un moule là. Comme ça. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir qu'il y a une épée dedans. Ah non, non, c'est vraiment un moule. Oh, j'ai bien... Par déduction, à force de tester et faire toutes les combinaisons, j'ai bien trouvé le fonctionnement des machines. J'ai deux moules et le truc est en stéréo, donc... J'en arriverai à la déduction de me dire que... Ouais, presque ça, mais... Oh! Bah, je peux plus interagir! Merdoum! Ah! Ouais, là, il veut plus. Ouais, faudrait que la pièce soit dans l'autre sens.
non, je peux pas. Ça avait marché une première fois et j'y arrive plus. C'est pas intuitif du tout. Je n'ai pas intuitif du tout. Ça m'agace un petit peu. Ah, pour le coup. Ah, c'était pour la rime. Bon, on va dire. Ah merde, il est resté dans le... Il est resté dans le prout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ou alors faut que je mette tout. Oui, je peux pas dire que je consomme ça. Oui, non, ça se fait pas. Oh. J'ai fait un travail de cochon. Voilà. Pas du tout convaincu. Elle est où la logique? Quelque chose ne va pas. Alors, je vais relire le bouquin en ma possession. Manuel d'utilisation de la forge. Alors, le façonnage d'objets métalliques nécessite l'emploi de deux machines. Tout d'abord, vous devez utiliser le façonneur de lingots. Cet appareil fondra votre minerai pour obtenir un lingot calibré. Voici les différentes étapes pour obtenir un lingot. Placez une pierre de pouvoir dans la machine pour l'énergie. Bon, ça c'est fait. Première étape, c'est fait, il y a de l'énergie partout. 2. Mettre deux morceaux de minerai de bonne taille dans le four. Bien faire attention à ne pas mettre deux types différents. D'accord. Ajouter un réactif éventuel si besoin pour le lier au métal. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. De l'intérêt de lire les instructions, ça peut aider. La 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 la. J'ai pas les amigos. La 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 la. C'est rigolo. Alors, va récupérer le... Alors, je voulais un alliage très puissant. Il fallait... Ah tiens, j'espère que je l'ai avec moi. Oui, c'est ça. Attends, je voulais mettre la pierre de truc mûche. Ça donne un truc incassable. Ça donne un truc incassable. Normalement la pierre de mithril là. Voilà. Oh, vous avez vu cette dextérité? Magnifique. Ah, le lingot du démon. Oh, c'est ça qui est bon. Le lingot du démon. Ah. Alors, la pierre d'Admicar, c'est va te faire en papaouté. Ah non, c'est après, c'est une fois que t'as fait l'arbre que tu peux. D'accord. Bon, attends, je vais la laisser là, au sol, sur le charbon. Alors, suite de la du bouquin. Ensuite, la fonderie minute doit être employée comme suit. Placer une pierre de pouvoir dans la machine. Bon, ça c'est fait. Placer le moule correspondant à l'objet à former dans le fondeur. Placer le lingot dans le four. Actionner, blablabla, obtenir l'objet désiré. Et c'est là où il faut pas que je me plante avec la magie, les alliages. Alors attendez, à la fin. Procure une énorme résistance hors du commun. Il faut enchaîner l'arme et indestructible. Œuf de dragon permet d'augmenter les dégâts. Et l'ail confère une plus grande maniabilité. La poudre d'os accroît la puissance d'une arme. Avec l'os de dragon. Ouais. Pardon. Non, mais je vais me contenter des pierres d'Amicar. Ou alors, je vais buter le dragon. Et je pourrais peut-être avec un œuf de dragon augmenter les dégâts aux objets.
Mais il faudrait savoir de quoi va être, entre guillemets, habillé, quelle va être la parure de mon Némésis, là, de l'antagoniste qui est Agba. Il faudrait que j'arrive à prendre l'information avant de le confronter. Terrible dilemme. Non, ou la poudre d'os de dragon pour accroître la puissance de l'arme. C'est horrible, mais je crois que je vais aller buter le dragon. Je vais aller le buter avec une première arme, justement, en pierre d'Anikar. Alors, le dragon, je le zigouille à l'épée. Ou à la... C'est quoi l'autre moule? Ah bah, épée à deux mains. Ouais, je vais prendre l'épée à deux mains. Ça va être mieux qu'une simple épée, histoire de faire des gros dégâts. Il va me dire que je vais pas avoir assez de force pour manipuler l'épée, vous allez voir. Je vais l'avoir dans le cul, Lulu. D'ailleurs, avant de regretter mon choix, je vais faire une sauvegarde. Je voudrais pas avoir à recommencer tout le... Voilà. Alors, choix... Moulage. Allez, tout est dit. Moulage. Alors, placer le lingot. Oui, puis je crois qu'il faut forcer les serrures des coffres des nains, là. Pour avoir des cadeaux. Alors, attends, faut que je vire ça. Hop là. Et que je mette le lingot. Pas sûr, mais ouais, je peux peut-être mettre le. Bah, non, c'est raffiné dans l'amour, ça serait mieux de mettre la pierre maintenant. Vas-y, voir. Qu'est-ce qu'il va pas? Ah, pour lui, j'ai mal positionné le. Oui, je reconnais que j'ai un peu abusé du placement du moule. Bah, non, ça va toujours pas. Wow, il faut que je calibre bien le moule dans le bon sens. Oh, je t'ai bougé, le professeur. Non, mais c'est dur de bien placer l'objet. Et oh, j'aimerais vous y voir, moi. Eh, c'est une vraie épreuve en soi, c'est honteux. Non, mais... Comment... Ah, espoir. Ça m'a l'air correct. Ah non, il dit que ça va pas. Ça déborde, ça dépasse. Ça pue. Alors attends, faut que j'avance le. Là. Tu vas pas me dire que. Ah oui non, ça dépasse du. J'admets. Eh, hein? Bon. Il va pas me. Hein? Le lingot est toujours là. Je le mets bien en position centrale. C'est parti. Mais comment ça, ça va pas? Mais ça devrait que bien aller. Non, il n'y a pas de... Oh, ça m'a l'air tordu comme logique de jeu. Alors attends, je vais essayer de l'autre côté, parce qu'il y aura un côté par moule, c'est ça, et c'est pas indiqué. Mais... Le jeu me met un mur invisible. Non, mais vous êtes pas sérieux, les gens. Je vais pas passer une heure à essayer de... C'est pas logique, votre truc. Ah oui, là, vous méritez que je mette ça à la chiasse et que... Oh non, il ne l'a pas validé, cet idiot. Ah si. Ah. Oh. Ouh.
Il y avait une entrée, une sortie. Une épée à deux mains de myrtille, 20 de dégâts. Wow. Wow. On va l'appeler pas Excalibur, mais éclate les burnes. Je peux baptiser mon arme ultime. Ah ouais. Rembourser, je peux pas. Non, vous êtes sérieux? Attendez, à quel moment je peux faire un alliage du coup? Parce que je l'ai mis dans la... Ah, attends voir. C'était deux lingots, mais c'était peut-être pas forcément deux de myrtille, c'était un de myrtille et l'alliage. Elle est peut-être là mon erreur. Elle est peut-être là mon erreur. Ah merde, le reste est resté au sol. Ah, ne me dis pas que je me suis planté. Je crains avoir compris mon erreur, ma méprise. Je pensais que c'était additionnel, mais non, c'est un substitut en fait. Oui, alors avec la vue là, je vais pas réussir à viser grand chose. Merci. Ah non, 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 il m'a invalidé mon. Il est passé où mon morceau Bah, hé. Mais... Attends, j'ai... Mais... Ce jeu est une escroquerie! Il m'a supprimé mon... Mais elle est où l'arnaque? Il m'a supprimé mon morceau de roche rose... Mais non, mais remboursé! Mais ça va pas? Attendez, je reviens à l'étape raffinage, là. Oh là là, mais c'est pas intuitif, hein. Alors, je reconnais qu'il y a une logique, mais elle est tarabiscotée. Merde. Je croyais que j'avais sauvegardé avant. Bon, bien fait pour Meg. Allez, vas-y. Merci. Oui, oui, je comprends. Bon dodo, Torota. Merci d'avoir fait l'animation et la modération jusque-là. Bon repos à toi, Torota, tout à l'heure. Oui, t'es adorable. Merci, ouais, tu restes en sous-marin. Bon dodo à toi, merci, merci. A plus tard. Machi tout plein. Oh, c'est la pièce du début. La 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 la. On y croit. On y croit. Alors, la fonderie. Je re-sauvegarderai sur place. Moi. Ah, j'aurais pas pu trouver de job dans l'industrie naine, hein. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Alors, re-sauvegarde, cette fois-ci avec tous les éléments en main avant action. Histoire de pas me faire en papaouté par le jeu. Donc, attends, je vais me mettre un peu devant le moule, c'est pas mal. Voilà, magnifique. Nul le mec. Et la pierre de mes deux là. La pierre d'Amika. Voilà.
Il me l'a détruit ? Non, il l'a détruit. Ah merde ! Et quand je fais ça, il me la consomme pas. C'est ça qui me rend fou. J'ai envie de dire, du coup, quel est l'intérêt ? Parce que là, il me la consomme. Mais... Et là, hop, la pierre est revenue. C'est ça qui me... Parce que dans les bouquins, il disait quoi ? Ouais, l'enchantement. Ouais, il m'en faut deux, oui, il m'en faut deux. Mais à un moment, ils disent, vous pouvez rajouter un truc pour l'enchantement. L'ail, machin. Alors non, oui, ça c'est après l'ail. C'est dans les alliages. Prenez du métal très important, la chose le meilleur métal me présente, blablabla. Bon, je m'imagine entre le poids du métal conditionnera l'efficacité, la puissance. Des gens forgeront le fer, le métal plus commun. Le meilleur métal connu à ce jour est le mithril, ouais. Il peut en outre produire le meilleur alliage s'il est mélangé à un autre composant. Le composant à mélanger au mithril avec soin. N'employez que les matériaux les plus rares, renfermant une valeur mystique intrinsèque. Maintenant, le mithril, blablabla. La forge, oui, la forge. Bah, où est-ce que j'ai vu que la pierre de mes deux, là, faisait un... Où est-ce que j'ai lu ça? Je confonds deux trucs, j'ai l'impression. Merde, pardon, je me trompe de... Non, c'est le contremaître. Ouais, non, c'est... Manuel d'utilisation de la forge. Où est-ce que j'ai vu que la pierre de Dagba machin serait meilleure? Bah merde alors. Non, ça c'est une note. Le gardien est blablabla. Bah, j'ai pas rêvé. J'ai bien lu dans un bouquin le... Bizarre. Ah oui, c'est vrai que le moule se mettait, oui. Se mettait là, à l'opposé. Ouais, demain... Allez, hein, on va dire que c'est bon. Merci. Tada! Mon épée. Là, je vais laisser le hop, l'autre moule. Alors, est-ce que je peux utiliser l'épée à deux mains? Et il va me dire non, je suis pas capable. Ah, si, je peux. Oh, 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 oh. On peut dire que j'ai un gros dard. Un peu comme le boss tout à l'heure dans. Le raid de l'enfer, pareil, je suis tout pareil. Ouh, alors visiblement je fais bien bobo. 22 dégâts. Ah ouais, ah ouais, 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 je faisais 6-8 dans mes meilleures armes et là je fais 20. Ouais, bah, des fous de s'appeler éclate les burnes. Hein, c'est. On peut l'appeler violence. Oh, j'ai mis le pied dans la... Ça m'a fait bobo. Rien que de mettre le pied là-dedans. C'est honteux. Bon, bah... Je...
c'est horrible, mais je vais aller confronter le diable, j'allais dire. Confronter le dragon de glace, là, dans sa caverne de glace, pour lui pendre ses œufs. Excusez-moi du peu. Et avoir une arme ultime ultra destructrice. Je veux faire un enchantement à base de dragon. Si je veux zigouiller l'antagoniste principal. Du coup, j'aimerais bien pouvoir donner des tannés vous savez, les chars d'assaut sur pattes là qui me les brisaient. J'adorerais être en mesure de pouvoir les trucider. D'ailleurs, comment je fais pour revenir? Parce que c'est vrai que le passage a été condamné là. Ah bah oui, il y a le téléporteur des nains. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ils ont dans leur niveau, ils ont leur... ils ont leur téléporteur, oui, près de la lave, j'avais zappé. On est condamné à atteindre ce sous-sol désormais avec le portail qui est actif. Ce qui est pas plus mal quelque part, ça privatise le dernier sous-sol. Et seuls ceux qui ont la formule magique pour faire usage du portail peuvent arriver, c'est pas mal. Sous-entend que je devrais plus être victime de mauvaises rencontres dans ce sous-sol. Le dragon, il était au niveau du royaume gobelin, je crois. Alors, je vais être horrible parce que je vais encore adresser la parole au dragon. Souvenez-vous qu'il parle. J'avais eu un échange une première fois avec le dragon. Et après, Quick. Enfin, je présume qu'au début, c'est lui qui va plus me Quick qu'autre chose. Mais quand j'aurai trouvé la faille dans le duel, et je finirai bien par le mater, le dragon. Chez ma destinée, il était où le dragon? C'était là où il y avait mon copain. Ouais, c'était quelque part par là. Bref. Allez, bouge de là. Et voilà. Il me tue, lui, quand il dit « Et voilà !» J'ai l'impression d'entendre, vous savez, la pub pour les canapés italiens, là. Poltrone sofa, là. À un moment, vous entendez les Italiens finir la pub en disant « Ah, artisan de la qualitate, et voilà !» Je sais même pas si c'est l'italien correct, d'ailleurs. Mais bon, bref. J'ai l'impression d'entendre la pub là quand on dit et voilà. Ça me rappelle d'ailleurs une autre pub de il y a 15, peut-être 20 ans. Oh, je dirais 15 ans, qui était honteuse. Ils avaient inventé un mot pour faire une fausse rime et marquer des esprits et vendre leurs produits. Souvenez-vous de la marque Calipage, marque qui aujourd'hui a probablement disparu. Et la pub télé qui passait, je crois, sur M6, il vous disait calipage, fourniturage, et non pas fourniture, hein, on dit fourniture, mais il voulait, voilà, hein, marquer entre guillemets le coup, fourniturage de bureau. Voilà, je me demande d'ailleurs si cette pub naze a pas provoqué justement le... la perte de l'entreprise, en fait, ce qu'on appelle une mauvaise pub.
Je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent dans le chat, enfin parmi mon public. Dragon à Quick. Non, pas à Cuc. Voilà, tout est dit. Et la touche de sauvegarde rapide est laquelle que je révise? Merde, ça c'est chargement rapide. Merde, j'ai bien fait de sauvegarder. C'est F9 le chargement rapide et la sauvegarde c'est... Ah ouais, j'étais là? Ah, je m'en souvenais plus. Ah, c'est F5, d'accord. Ok. D'accord, donc tac, F5 et je sors, ok. J'y retiens. Je veux bien faire la double sauvegarde, ça va m'aider. Parce que je sens que je vais me louper sur la lévitation. Oh, je fais peur. Ah ouais, je suis comme le boss tout à l'heure dans Hellraid. Tout pareil. On sent que c'est la fin du jeu, ça devient complètement craqué. Lévitation. In the morning. Alors. Mais non, mais fallait pas que... C'était ça, je crois. Voilà. Lévitation, magie du démon, c'est ça qui est bon. Ah, sauf que j'arrive pas à me déplacer davantage. Ah oui, et puis pour briser le sort en cours, je crois que j'avais programmé la touche correction retour là. Voilà, si j'ai pas de bêtises. Voilà! Incroyable, mais je m'en suis souvenu. Donc du coup, je peux re-sauvegarder rapidement. Ah! Par contre, rejoindre le dragon, c'était pas aisé. C'était pas aisé. Oui, fallait faire une ascension. Là. Et je sais plus. Fallait peut-être passer par là, non? Je sais plus. Ah non, j'avais mis un. D'accord. Ah non, 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 c'était pas si compliqué que ça. Je sais pas, je voulais mettre midi à 14h. Le dragon était quelque part par... Ah merde, non, c'est pas la bonne cavité. Ah, c'était en face, peut-être. Attends, c'est quoi que je vois, là? Ah non, c'est une dépouille de monstre. On a dit... Lévitation. Je suis pas peu fier de ce que je suis en train de faire. Ça va, j'arrive à faire usage de manière cohérente de mes sorts. Le dragon y était donc. Bah merde! Bah! J'ai souvenir d'une grotte avec différents accès. J'ai du caca dans les yeux et j'ai loupé l'entrée, la cavité. Bah merde! Je comprends plus là. Attends, tant que je suis là, je vérifie les dépouilles, les squelettes, mais. Bah. Il était où ce dragon? Bobo. Qu'est-ce de dire, les victimes n'ont plus que leurs œufs. C'est la lutte finale.
Ah non, c'est un rat. Alors, le rat, j'en ai... J'en ai rien à péter du rat. Bah merde alors. Non, ça c'est un cul-de-sac, c'est pas la cavité de... Il y avait pas de porte. Bah... Est-ce qu'il a indiqué une porte? Oh! J'ai du caca dans les yeux. Excusez-moi. Voilà, le dragon était là. Donc sauvegarde et à mon avis... Wouh! Ça va être sport. Alors en gros, je lui dis bonjour, va mourir. Je suis là car j'ai absolument besoin d'un œuf de dragon. Gardien, quelle quête vous a été confiée par le Noden pour ainsi vouloir sacrifier ma descendance? Je dois sauver Arx et ses habitants. Akba, le dieu de la destruction, est sur le point de... Tout cela, je ne le sais. Ma question est, pourquoi vous faut-il un œuf de dragon? Seul un œuf de dragon permettra d'enchanter une arme capable de détruire l'avatar d'Akbar. C'est bien mal connaître les dragons qu'avoir l'impudence de leur demander de sacrifier leur descendance, même pour sauver. Alors, que dois-je faire? Me prouver que vous êtes une personne de valeur. Dois-je vous combattre? Pourquoi pas? Mais ça ne serait pas très équitable pour vous. Non, il s'agit d'une autre valeur humaine. La valeur de chaque chose, des grandes et des moins grandes. Offrir autant de pièces d'or qu'un dragon à décailles. Oui, j'ai déjà dû lire un ouvrage qui en parlait. Ah, je ne serais peut-être pas obligé de le tuer. Si je pouvais avoir une fin pacifiste à la résolution du conflit, du dilemme, pourquoi pas? Mais je crains ne pas être si riche que ça. Oui, j'ai 929 pièces d'or. Fut un temps, je crois que j'en avais plus de 5000. D'ailleurs, je me demande si symboliquement, j'avais même pas atteint les 10 000. Je sais plus. Ok. Alors, combien d'écailles un dragon? Oups. Non, attends, c'est quoi cette note que j'ai sur moi? Ah oui, non, c'était une note des nains dans leur gestion de minerais. Attends, mon livre des comptes. Mon livre de quête. Me dit quoi? Oh, ma zette, il y en a à lire. Alors, il me faut un œuf de dragon pour enchanter l'arme ultime. Il faut absolument que je me renseigne sur le nombre d'écailles que possède un dragon. Ah! C'est intéressant. Je crois savoir que les femmes savantes, femmes serpents, la magie et bibliothèque auront la réponse à cette question. Du moins, je l'espère. J'étais pas descendu par là, moi. Ah oui, mais prout. Non, j'avais fait usage de la lévitation. Non, mais de toute façon, il faut que je descende par là. Oui, ça se tient. Voilà, là, je me fais pas mal. Je vais devoir retourner dans le royaume des humains. Des humains. On va peut-être poser la question à celle qui est dans leur royaume. Alors là, par contre, si je vais me faire bobo, à moins d'atterrir sur le téléporteur.
No. Ça va, je me suis pas fait trop mal. Châteauville. Oui, château. Château du Mont Solus. Eh ben, quelle aventure! Quelle aventure, quelle aventure! Oui, alors où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Alors, je suis chié, hein, je salue même pas le roi. Je snob le roi, j'ose. J'ose. Oui, c'était là normalement. Oui. Toc toc, la bibliothécaire. Bonjour. Question. Laissez-vous imprégner du savoir enfermé dans les livres. Je suis attristé que je ne puisse pas avoir la réponse par tes soins, ma grande. Puis je pense pas qu'il y ait le bouquin que je convoite ici. Grandes inventions, les races d'Arks, livre. J'ai l'impression qu'il manque de plus en plus de bouquins. Connaître les dieux et les démons. Blablabla. Les dieux anciens. La guide des voyageurs. Cette arme pourra détruire Akba définitivement. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, gardien. Ouais, c'est ce que j'essaye, hein, de faire. D'ailleurs, je vais repasser par là, j'étais arrivé. Je vais reprendre le téléporteur, je vais aller directement... aller voir les sœurs dans leur antre, là, le... Voilà, l'avant-poste des lumières, La mère supérieure, la reine, va peut-être m'aider. Ou leur bibliothécaire en chef. Non, t'as pas de réponse à ça. Oh là là, les femmes serpents, je vous jure. Alors, question. Non, mais vous êtes sérieuse? Vous avez pas réponse à ma question? Combien d'écailles a un dragon? Dites-moi que la mère supérieure va me donner la réponse. Excusez-moi, j'ai oublié la politesse. Ta-da-ta-ta-da-da. Non, personne. Ah, ils n'ont pas le droit de parler. Eh ben, dis donc, observe le silence, allez. Vous êtes nuls, les femmes serpents. Nah, j'ose le dire. Merdoum, il faut que je trouve réponse à ma question par moi-même. Eh ben, on n'est pas dans la mouise. Ah, peut-être que la chef des rebelles aura réponse à la question. Il faudrait que j'essaye de rejoindre Alexia, là, la fille secrète du roi, là, la fille cachée, chez les rebelles. Elle aura peut-être réponse à cette question. Elle me semble bien cultivée, bien renseignée, la miss. Ah, salut toi. Bonjour, ami de Gru. Moi, content de voir ami de Gru. Oui, bah, pas mais content de te voir, Gru. J'ai faim. Ah merde, mon perso que j'incarne a faim. Mangeons une tarte aux pommes. Miam. Putain, et dire que j'ai eu plaisir d'en manger une il n'y a pas si longtemps que ça, elle était délicieuse. Le tarte aux pommes. Oh, il joue du pipeau. Il jouait du pipeau debout. Là où les autres trolls cachaient des cailloux.
C'est assez bien résumé. Attendez, réfléchissons. Lac souterrain, oui. Lac souterrain, c'est là où j'aurai un accès à Prout-Prout. Chez les rebelles. Alors, peut-être réponse à ma question. Qui c'est d'autre qui pourrait me renseigner à la question combien d'écailles un dragon? Qui c'est qui a de la, du cerveau, de la culture dans le jeu? D'où tu sors? Mais pourquoi tu m'agresses? Mais ça va pas, non? Mais il est fou, lui. Mais va mourir, je vais tester mon arme pour la première fois sur toi. Oui, il aime pas, hein, ça fait pas du... Oh! C'est une ruse! Ok. Ah bah lui, il est beau. Comment qu'il est mort, il est... Wouh! Génial, il avait rien sur lui, cet abruti. Il a pas l'air débile. Non, ça c'était pour accéder à la... t'es sûr? Non, bah ton champion, j'ai déchiré en deux. Bah comme ton compère là. Oh! J'ai décapité! Mortel combat! Ah bah lui aussi. Non mais les gars, vous êtes pas sérieux, vous faites pas le poids là. Oh là 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 là. Fallait pas m'agresser, vous êtes idiots. Vous êtes aux idiots, vous n'avez pas le niveau. Je vais vous faire un bobo. Bande de nalo. Ça aussi, c'est assez bien résumé. Attendez, c'était où le lac souterrain? Non, c'était plus bas. Pour... Ah oui, c'était là. Oh, mais c'est pas... T'es gentil ou t'es méchant? Ah non, ils sont tous méchants. Bon, allez tous mourir. Allez, hop. Et de 1. C'est ça, on va mourir. Ouais, ouais, je me bats, je me bats. Voilà, comme tu dis. Oh! J'ai réussi à décapiter un grand champion. Bon. Alors, je suis pas invincible, mais je suis violence. Et j'ai pas encore enchanté l'arme avec un os de dragon. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe de pas trop l'endommager en faisant usage. Attends, vérifions. Ne me dis pas que je l'ai déjà endommagé. Bah, j'ai l'impression qu'elle a pas de... Attends, c'est moi ou elle a pas de... Ouais, bizarre. Bon, bref. Oui, alors la Miss Rebelle, elle est de l'autre côté du... Ouais, du lac. La porte d'accès aux rebelles. Alors, la clé, la serrure est par là. La clé, elle est où? Elle est là, la clé de rebelle. Voilà! En plus, ça me fera plaisir d'aller lui dire bonjour à la miss. Elle est charmante, là. La fille des rebelles. Enfin, la chef des rebelles qui est la fille du roi. Ma sauvegarde va s'appeler Bonjour Miss. Bonjour Miss. Allez, ça me fait plaisir. Do you believe? Don't go away. Ouch. Alors, je vais aller toquer dans ses appartements. Et l'autre, le mec présomptueux, toc toc. Bonjour, my love. Non, t'es pas sérieuse. Toi, tu vas finir fée dans Zelda, hein, avec de telles onomatopées.
Non, mais merde. Qui c'est qui peut m'aider? Combien d'écailles a un dragon? Et le livre de quête me disait quoi? Il faut absolument que je me renseigne sur le nombre d'écailles que possède un dragon. J'ai pas de bouquin sur les dragons. Je crois pas. Alors là, là j'avoue que je sèche. Qui c'est qui pourrait m'aider? Oh, je repars bredouille. Ah, j'aurais pas cru. Ah non mais... Tiens, je sais même plus où est-ce que ça mène ça. C'est une jonction de niveau, mais je sais plus quoi. Ah! Oh, que de souvenirs! Il est encore en vie le roi des gobelins? Je sais plus, j'étais parvenu à faire copain-copain avec lui ou je l'avais pataté? Personnellement, je lui veux pas de mal, sauf si évidemment il m'agresse, mais... Je crois que j'avais fait copain-copain avec le roi des gobelins, non? Putain, je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens de la scène drôle où il avait la diarrhée là, par rapport à sa friandise au vin. Mais. Ouvrez-moi la grille. Ouvre-moi la porte. La 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 la. Merci. Tais-toi. C'est par pure sympathie et curiosité que j'ai envie d'aller venir le voir, de lui rendre visite, mais étais-je en bon terme? Ah oui, il est là! Bonjour messire. Marchand de gemmes, dois regarder marchandises. Qu'est-ce que t'as d'ailleurs? Ouais, bon t'es pas aussi fourni que le marchand humain en ville, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais te vendre des émeraudes, mais faut que j'en garde une pour l'histoire de la chasse au trésor, là, dont j'ai pas tout compris. Ah oui, faut... Ah! Mais, ah bah non, non, je pense pas que la chasse au trésor, c'était dans la mine naine. J'ai pas essayé d'ouvrir les coffres des nains avec les émeraudes. Mais, faudra que j'essaye, tiens. Mais, ça me semble saugrenu, parce que le coffre, il est dans un environnement hostile. Je pense pas que le mec de la chasse au trésor soit allé jusque si bas avec le monstre. Enfin, les monstres. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un mystère. Il y a une histoire de combinaison. Ça va être un secret ultime du jeu. Je sais pas lequel. C'est bizarre. Ah, j'ai pas le droit. Ah ouais, accès restreint, j'ai pas le droit. Oui, non, te fâche pas, te fâche pas. J'ai pas franchi la porte. Je n'ai pas franchi la porte. Combien d'écailles a un dragon? Combien d'écailles? Il n'y avait pas le coup aussi du gobelin cuistot, fallu lui donner le bouquin de cuisine. J'ai l'impression qu'il est buggé en même temps de perso. Oui, j'ai l'impression qu'il est complètement buggé. Ouais, bon, je laisse tomber les gobelins pour le moment parce que c'est pas. Je suis en train de me fourvoyer dans des quêtes secondaires là, pour pas dire tertiaires. Combien d'écailles un dragon? Qui peut me répondre? D'écailles à un dragon. Oh, j'allais voir le roi des trolls. C'est fou ça, il y a deux rois dans le même niveau, dans le même sous-sol. Qui l'aurait cru?
Oh merde, Oum, c'est moins évident qu'il n'y paraît le... Ah! Je suis en train de me perdre dans les... Oula, t'es buggy, mon gars. Il est où le roi que je viens de lui dire bonjour? Je pense pas qu'il sache. Combien d'écailles un dragon? Ouah, être véritable ami des trolls. Oui, bon, je suis ami des trolls, ok, merci. Ça me fait une belle jambe. Oh, combien d'écailles un dragon? Qui peut répondre à cette question? Ouah, ami? Ouah, ami? Alors, avec les femmes serpents, je peux aller me faire voir. Du côté des humains en ville, est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, peut-être? Ça, je sais même plus pour où ça mène. Ah oui, je reviens là. Bah, je reviens pas sur mes pas, par hasard? Je sais plus. Oh. Si, je reviens sur mes pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah non, ne me dis pas. Ah si, le cadavre est encore là. Parce que lui, il va me faire rire. De voir son cadavre au-dessus du truc. Je vais adorer. Oui, en ville. Que j'aille en ville d'Arx. Combien d'écailles possède un dragon? Ou alors j'aurai la réponse dans un bouquin. Comment pourrais-je savoir? Il y a des mystères aussi, je me souviens, dans la crypte là. Qui est... Bah tiens, elle est sur ma droite, la crypte. La fameuse crypte au fond. Il y avait le dispositif de téléportation bleu. Et puis il y avait un levier là où j'ai retrouvé le bouclier que souhaitait la chef des rebelles. Il y a beaucoup de mystères dans Arx Fatalis. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Je pense que je vais faire la tournée des humains pour leur poser la question sans être sûr d'avoir réponse. Je m'absente 2 minutes parce que ma vessie tient plus. C'est pas tout de boire du café au lait, mais il faut peut-être du danger. J'en reviens dans 2 minutes. Un peu plus hier. Je suis en train de réfléchir à cette quête de la question combien d'écailles a un dragon. C'est pas une information effectivement que tout le monde peut avoir. C'est soit quelqu'un qui a pu étudier les dragons. Ou alors le reste d'un écrit ou d'une parole sacrée, c'est-à-dire d'un être divin, à, entre guillemets, l'origine du monde, aurait dit combien il y a d'écailles en créant la créature qu'est le dragon.
quelqu'un qui a étudié les dragons ou qui aurait confronté jadis un dragon, donc un grand chevalier, on va dire un héros. Mais si c'est pas un personnage qui va me donner la réponse, il faudrait que je trouve la réponse soit dans un livre, soit gravée quelque part dans la pierre. C'est... J'ai mal au pied. Ah, j'ai failli ne pas la reconnaître. Jetez un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. J'ai failli ne pas la reconnaître. Je vais regarder ses coffres, mais je crois pas trop à... Bon, je retiens qu'elle vend de la mana. La bouffe, j'ai à manger jusqu'à... Hein. Ah, elle vend un sac. Mais non, je crois que j'avais la capacité max de... Ah, potion de soin. Ah, potion de soin. Bonsoir, Onze de Lumière, comment que ça va? Potion... Oui, ou bonjour, oui. À l'heure à laquelle tu... J'espère que tu vas bien, Ange de Lumière. Ah, Madame chantonne. Ça va tranquille? Cool. Attends, c'est combien ces potions de soins? J'ai pas regardé le tarif. 243. Waouh, je pourrais même pas les acheter. Elles me ruineraient. Combien d'écailles a un dragon? Je vais aller voir l'autre commerçant, mais je doute qu'il ait réponse à la question. Peut-être que le roi aurait réponse à la question. N'hésitez pas si vous désirez quoi que ce soit. Ouais, non, mais là, j'ai un. Voilà. Je suis en quête de réponse. Merde. Le chef de la garde, ça m'étonnerait qu'il puisse me répondre, encore que... Il faut pas que je me base sur des préjugés. Est-ce qu'il y a la réponse à ma question? Je suis vraiment occupé avec la défense du château en ce moment. D'accord. Fais la défense du château. Le forgeron, il sait quelque chose? Vous pouvez avoir confiance dans la qualité de mes lames. Je suis le fournisseur de la garde. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas. Non, merde, je me suis bourré, j'aurais dû faire comme ça. Ah. J'ai l'impression qu'il peut pas la réparer. Voilà. J'ai envie de dire ça, c'est fait. Mon armure, j'ai pas vérifié, mais elle est en bon état, mon armure. Ouais, j'ai l'impression que... J'ai l'impression d'être tellement fort que je suis même plus soumis à l'altération d'état de mon matos, c'est dire. Oh, c'est l'autre... Gary est un homme riche. Oh, comme je l'aime. Ouais. Je pourrais dire des choses très vilaines, mais je vais me taire. Attendez, il y a une question qui me taraude. Souvenez-vous, à l'épisode précédent, j'avais évacué de la prison du roi en passant par la trappe. Ça remarche dans le sens contraire? Non, hein, c'est vraiment exceptionnel. L'inverse n'est pas possible. Dommage, ça aurait été tellement drôle de revenir dans le château par la prison. Ça l'aurait fait rire que moi, mais bon, ça ne fonctionne pas. C'est un réflexe, je fais ça par désespoir de cause en fait. Qui a réponse à ma question? Combien d'écailles porte un dragon? En même temps.
Oui, sûr. C'était quoi ça? Ah bah c'est fermé. Voilà. Alors après je suis... Non, soyons cohérents. Il faut que j'essaye de rencontrer le roi. Parce que peut-être que le roi a réponse à la question. Tout en tendant... Ah attends, le chef d'église. C'est vrai que je me suis jamais appuyé sur le responsable du... Les hérétiques vont périr, grâce à vous et au Noden. Ok. Madame? Merci, madame. Le dragon m'a posé une colle. Alors, je m'attendais pas à ce que, vous voyez, à ce que... Je suis content que s'il y ait une possibilité de résoudre le dilemme de manière pacifiste. Pacifique, pardon. Oui, ouais, boire un coup, t'as raison, merci. Mais... Il faut vous occuper de cette fameuse arme, Amshagar. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, gardien. Merdoum! Ah, combien d'écailles a un dragon? Où est la réponse? Ou alors je retourne dans la bibliothèque des femmes serpents et je regarde plus attentivement dans leur rayon si elles n'ont pas un bouquin sur les dragons que je n'ai pas. Oh la vache! Magette, une énigme de plus. Combien d'écailles a un dragon? Oui, votre bibliothèque, elle est là. Attendez. Cuisine gobelin, règle du Noden. Règle du Noden, la guerre des mages, le codex de l'ordre, parchemin de lévitation, la chimie. Mais non, mais c'est du décor, c'est pas. Non, il n'y a pas de bouquin là. C'est du décor. Non, mais t'es sérieux? Elle a pas réponse à la question? Oh merde. Oh, c'est déroutant à souhait, c'est fou. C'est déroutant à souhait. C'est sur cette vue improbable avec la malheureuse à gauche qui va se faire un torticolis. Que je réfléchis. Combien d'écailles a un dragon? Qui peut savoir ça? Alors, j'ai quasiment interrogé tous les humains. Merde. Qui c'est qui peut avoir la réponse à cette foutue question? Alors là... Alors les hommes rats, on peut rien en faire, hein. Souvenez-vous du carnage avec eux, là, ils font bande à part, ils sont, c'est des, enfin bref, c'est des trous nounouf, les hommes rats. J'ai mis la main sur tous les ouvrages nains.
D'ailleurs, quel est l'intérêt pour les nains de connaître les dragons? Ah, peut-être si, je suppose tant, pour avoir des armes enchantées, peut-être que si on avait besoin, mais il n'y avait pas de bibliothèque chez les nains, je crois pas. Je m'en souviens pas. Combien d'écailles a un dragon? Oh! Chez les humains! J'ai oublié de voir le mec qui était à l'avant-poste. Celui qui s'était fait déboîter la première fois par les chars d'assaut sur pattes. Je l'ai complètement oublié, lui. Il a peut-être réponse à la question. Ah, puis à la taverne! Il y a la taverne aussi. Merde! Je sais plus comment on fait. Je sais plus. Non, je crois qu'il faut que j'aille dans la ville. Que je reprenne le passage qui a été déblayé par les trolls pour rejoindre l'avant-poste. Et là-bas, il y a un humain à qui je pourrais peut-être lui soumettre la question par un heureux hasard. Après, je pense pas que ce soit dans la crypte que je trouverai ma réponse, parce que ça a ni queue ni tête. Et oui, c'était par là, je crois, non? Ah non, il y a un ermite qui vit là, je crois. Attends, je lui pose la question, il était pas con, lui. Il paraît qu'il y aurait un sorcier puissant qui invoquerait des démons par poignée. Oui, c'est celui que je vais combattre. Merci, excuse-moi, mec, je vais pas te déranger davantage. Il est vrai que l'avant-dernier sous-sol, le 7ème, celui des hommes rats, bon, je les ai pas tâtés, mais j'ai pas spécialement exploré leur univers, mais voilà, l'avant-poste humain. Mais... Combien d'écailles a un dragon? Tiens, c'est... Ah non, c'est une... D'accord, c'est une... Une lanterne. J'ai cru que c'était du minerai à extraire à la pioche de la mine. C'est moi ou j'ai bêtement tourné en rond, là? Ouch. Nul. Voilà, c'est la joie, la poule. Bac. Attends, mais je crois qu'il était là, le mec. Ça, c'est une note que j'avais déjà lue, non? Merde. Ouais, devoir repasser. Ah oui, Anatole, lui, non, c'est le tout début avec le gobelin qui me retenait prisonnier. Bah merde, je crois qu'il y avait des humains qui étaient restés à l'avant-poste. Oh, il y a des humains. Non, tout le monde s'était barré d'ici. Bah merde, je me souvenais pas de ça dans les narrations. Non, c'est un couvert, ça.
sait peut-être quelque chose, lui. Et moi, pas lui, Akba. Comme il est mignon, celui-là. Sa voix est tellement basse que j'ai même pas compris ce qu'elle a dit, mais visiblement, c'était tout sauf intéressant. Ah, il sait peut-être quelque chose, lui, c'est un érudit. Reviens me voir à l'occasion. Ah bah non. Non, lui, c'est... j'en ai rien à péter. Ah, c'est le joueur de Prout-Prout, de lutte. Eux savent peut-être quelque chose, non? Non? Non, ils sont complètement pimpettes. Bah merde alors. Au plus grand des hasards, j'allais errer là où il y avait la secte. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un dans le dans la secte. Oula. Tous les passages qui se sont fermés, c'est rigolo. Non, je pense plus qu'il y ait... Je présume qu'ils ont abandonné les lieux. Je sais pas, on va voir. Il est vrai que je serais curieux, vu mon niveau actuel, de me confronter à un des chars d'assaut sur pattes. Maintenant, je suis peut-être leur égal. Au niveau équipement guerrier. Puisque j'ai leur armure et la super épée là, en mitrine. Non, sérieux, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus rien. La question qui va me tarauder pendant longtemps. Et ça, c'est pour revenir du côté des humains. Oui, non, j'ai gagné un tour gratuit. Non, y a plus rien. Y a plus rien. Combien d'écailles a un dragon? Attends, je vais aller revoir l'autre, patronne des lieux. Je voudrais bien t'aider à te détendre et te faire passer un bon moment. Ouais. C'est une fille pas fréquentable, on va dire ça comme ça. Plutôt agréable ce coin, non? Oui, c'est plus dit vrai. C'est vrai que maintenant que l'endroit m'est familier, oui, il est pas désagréable. Il doit faire pas mal frais, mais bon. Merde. Je me vois errer dans les sous-sols des hommes rats. Parce que c'est l'endroit que j'ai le moins exploré de tout l'univers de Arx Fatalis. Tiens, je t'avais oublié, toi. Oui. J'ai envie de te répondre, c'est réciproque, mon gars. C'est réciproque. Oh, j'en reviens pas, il fait 22 chez moi. Oh, on voit que le printemps est bien amorcé, punaise. Il commence vraiment à faire chaud. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu passer par là aussi. Tous les chemins mènent à Rome. Un téléporteur. Il y a un téléporteur qui est pas loin. Et je vais aller chez les hommes là.
Chibidi-bidi-bidi-bida. Je vais aller chez eux. Oula merde, je suis allé trop vite. Les hommes. Ouais, forêt champignon. Là où il y a les hommes rares. Je refais une sauvegarde rapide. Parce que. Jusqu'à maintenant, comme je suis en train de me balader partout en quête de la réponse de. Ah tiens. Oui, j'avais pas le. J'avais pas porté le portail ici. Il y a encore des hommes rares qui sont vivants. Je les ai tous trucidés. J'ai l'impression que j'ai pas. Ah, j'avais peut-être commencé à me confronter à eux. Mais j'avais peut-être renoncé. Je sais pas pourquoi j'ai gardé l'idée d'un succès. Bon, bah, va y avoir un peu d'action. Salopard. Ah, ils ont des trucs intéressants sur eux. Bon bah pardon hein, mais je vais commettre un raticide. Attendez, je sauvegardais, je vais appeler ma sauvegarde raticide. Non, bon, attends, j'en suis où? Ah oui, énigme. Oui, bah l'énigme du dragon, oui. Raticide, je peux mettre au pluriel parce que c'est quasiment un génocide des hommes rares. Bah pourtant je pourrais atteindre la forge naine où j'avais eu du bol dans. Putain je me souviens plus. J'avais eu du bol dans. Ouais tant pis, je vais faire comme ça. Ma errance de couloir, j'avais trouvé le bon chemin dans cette jeu. Bizarre. Je suis confus. Je suis vraiment confus. C'est cette pièce isolée que je l'avais pas faite. Mais oui, que j'avais fait un carnage chez les hommes rats. Oui, c'est juste que voilà, je suis allé dans une pièce où il y en avait deux qui étaient encore survivants, bêtement. Moi qui recherche justement de la thune vis-à-vis du dragon là, qui fera que je recouvre d'or, j'aurais peut-être bien d'embarquer leurs lames une à une, histoire de les revendre à l'unité. Ça sera peut-être une bonne idée. On va pas cracher dans la soupe, comme on dit. Ça. Ah, une pièce d'or, mon dieu. Tiens, tiens, ça descend vachement. Ah, c'est là où il y avait la monstruosité de verre et de. Ah, mais je les ai zigouillés sans les fouiller. Bah, merde,
J'ai... Ah oui, j'allais dire, là, j'ai un bug avec l'interface. Ah, je suis revenu ici, je reconnais l'endroit. Ah, attends, je peux interagir avec ça? Mais non, c'est un pauvre squelette... parvenu à, au coup du ver géant là où ça m'avait donné accès aux mines naines. Je retrouve même pas l'endroit. Je me souvenais pas de ce dédale. Excusez-moi, c'est pas prévu, mais j'ai un appel.